Jeudi, quand tu rentres la caillou dans leur émission d'interview, j'en sais toujours. Merci parce que toujours fidèle avec nous. Jeudi, avec nous sur le plateau, c'est professeur, pasteur, analyste également, le maître Zéphir. Quittez-moi souhaiter le bienvenue dans l'émission d'interview jeudi. Bienvenue dans l'émission d'interview. Bonjour, bonsoir, tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'interview. Hein? Mm-hmm. Et puis bonjour, Edlaine. Merci pour l'invitation. Je me sens fier pour dialoguer avec vous. Ben oui, merci parce que sur le plateau Pacifique, nous parlons comme ça, Jean, que nous t'ai dit, nous avons une période de dialogue qui beaucoup a fini. Mais avant même que nous allions dans le dialogue-là, on nous dit que, professeur, qui première lecture nous fait de situation pays? Bon, première lecture nous fait, c'est un pays qui ne peut pas marcher. Nous avons longtemps depuis nous ne pouvons pas marcher. L'année passée, avec l'activité, moi, juillet, protestation, passé dans octobre, novembre. Nous avons une crise qui est entrée plus profonde. Et en 2019, nous commençons l'année encore, 7 février, avec une série de manifestations qui montrent que la population n'est pas capable de supporter la réalité ça encore. Jeudi, après un mois, on a parlé de la situation aggravée parce que la situation d'insécurité a été très dangereuse, kidnapping à droite à gauche, il y a des zones dans le pays, là, même si c'est la journée, on est obligé à véhicule. Les gens qui peuvent aller dans la zone sud pays d'Haïti, passer Matissan, sont un gros risque, même si c'est la journée. Autant y a détourné un camion gasoline, entré en dedans, camion chargé produit, y a kidnappé les gens sur le carrefour, grand ravine. Finalement, par contre, côté pour passer. Et parce que toute zone y a plein d'insécurité, blocus augmenté, insécurité à tout, parce que la nuit, ou capable 7-8 heures du soir, ou capable un seul côté, ou bandit que tu veux poter ou aller, il fait ça facile. En plus de grand goût, misère, chômage, inflation qui monte à 17%, comparativement au pays tant que Dominicani qui a seulement 1,19%, c'est très grave. La vie a qui chère, en façon exagérée, haïtien pas capable de manger, pas de travail, l'argent pas circulé, et saleté dans toute ville, pays d'Haïti, toute corruption qui gagne. Donc, globalement, je dis, point numéro un aujourd'hui, c'est un pays qui pas marcher, c'est insécurité qui domine, pas de contrôle territoire, personne pas senti que l'État qui a dirigé, bandit, ou fait la loi côté ou vle. Donc, c'est même, inquiétude totale. Tout bagaille fait, toutes conditions réunies pour un citoyen haïtien inquiet. Et pour poser des questions, si vous n'avez pas la foi dans bon Dieu, si vous dormez, assoyez, vous levez, est-ce que demain, vous sortez ou vous rentrez? Inquiétude, ça a dans le tout le monde, dans la tête tout le monde, et quelle que soit la zone que vous habitez, même si vous avez des zones qui sont les plus graves. Par rapport avec ensemble de constats que vous faites là, professeur, qui c'est qui, à la base, que secteur universitaire là, il est complètement. Alors, il font silence absolu, sinon, quand il est comme ça. Bon, alors, université ici, en crise tout, malheureusement. Mm-hmm. Nous connaissons tout ça que tu as gagné. Université d'État, qui est la plus grande université du pays, il y a une crise interne par là, dans l'effort pour l'élection qui est faite, pour le nouveau recteur monté. Donc, l'université a vu un silence, nous capables de comprendre, parce que les sentis ont des gens blasés dans la société. Nous-mêmes, comme université qui est douée là, pour avoir une parole scientifique, une parole universitaire, nous avons une crise pas de gérer, il y a des facultés dans l'UEH là qui pas marcher, j'ai été de marcher, de temps en temps il y a une protestation, il y a fait plusieurs années, il n'y a pas capable de fonctionner, là m'a parlé pour plus grande université pays, mais en même temps université privée et tout, il n'y a pas trop chaud pour entrer dans l'aspect politique question, parce que si vous dites telle parole, tel groupe pas d'accord avec lui, les manifestations sont faites ou capable victime. Okay. Et il y a des gens prudents, il y a une prudence, mais en même temps il y a un silence de l'autre côté à cause de problèmes internes qui gagne à l'université et l'État. Mais qui rôle l'université a dû jouer dans une crise comme ça? En principe, l'université a dû venir avec une série d'idées qui montrent comment la crise, c'est activité, c'est réalité la vie même. Parce que tout pays sous la tête, toute institution qu'on a crise, et nous vivons de crise. Au contraire, l'université est capable de servir à la crise pour montrer l'opportunité nous gagner, pour nous changer, pour nous fonctionner, pour nous améliorer le système politique, le système de gestion, nous, et puis pour nous capter le signal dans diverses régions dans le monde, là, puisque Haïti n'est pas capable de vivre pour compte lui. Comment répondre à fonctionner, qui nous-mêmes nous doit servir avec information, recherche. Donc ça doit être travail université. Ça doit faire partie de la recherche université. Parce que l'université n'a pas fonctionné dans le vide, elle a fonctionné pour une société. Nous
créer une université parce que nous avons besoin de recherche scientifique, nous avons besoin de gens qui ont capacité pour analyser, pour faire proposition, pour aider la communauté à comprendre ça la vivio. Je dis à la, il y a toujours parlé des mutations en sociologie. Mais ouais, depuis les années 50, nous entrons en dictature avec Duvalier, nous faisons 29 ans de dictature. Après ça, nous entrons en transition démocratique en 86 avec le départ de Jean-Claude Duvalier. Nous avons 32 ans là, nous pas capables de camper toujours. C'est World Université pour l'aider à nous comprendre qui ça passé généralement les changements système, qui ça qui à la base crise sociale, politique, économique n'a vivre là et qui gens l'autre pays habitué résoudre qui approche nous mêmes nous capable faire. Est-ce que ces situations politiques là qui affectaient travail université? Ces situations politiques là mais c'est faiblesse l'État tout. L'université a li fait partie l'État, li sous territoire, li dépend de l'État pour financement projet li yo. En même temps li vive secousse crise sociale yo parce que je dis à la gade université, gade faculté ou entre là dedans ou pas le faire cou comme professeur. Il faut qu'on ait autorité pour affirmer présence dans la salle là pour dire étudiant non ici là c'est au centre universitaire moi c'est enseignant ou c'est étudiant rôle pas c'est enseigner rôle pas c'est étudier c'est faire recherche donc c'est moi qui mène classe moi. Est-ce que c'est parce que une forme de délinquance? C'est pas une délinquance seulement, c'est une société qui bouleversée côté autorité personne pas respecté. Même genre tout le monde a dit ça vous voulez de président, premier ministre, ministre, sénateur, député, il y a pas même gain courage pour camper défendre tête parce que qu'on est de toute façon, yo blasé. Donc c'est un pays côté toute institution yo blasé, et spécialement institution l'État yo. Yo en faiblesse, pays a en faiblesse, ça fait deux trois grand monde qui gain courage, qui accepte prendre la parole, qui dénonce, qui fait proposition, yo connaît yo prend risque tout. Ça m'a pas la voix là, puis qu'on saisit où elle nous finit parler et pour l'autre monde dit c'est tel comme d'hab défendre. Parce que c'est comme ça, la société a divisé, donc c'est pour nous quand même, même si on campe dans mi-temps, on a dit parole vérité, mais il y a quand même signalé une mauvaise façon. Donc il y a prudence, une extrême prudence, et moi pas quoi nous devons accepter ça comme universitaire, nous devons prendre courage avec deux mains pour nous analyser la situation, pour nous aider l'autre monde à comprendre, pour nous faire recherche sur nous, pour nous faire proposition, et puis pour nous aider la société à jouer une route. C'est des voies, nous ça nous pas devons pas prendre pression, crise, délinquance. Tout ça gagne. C'est ça, Mme dit. Est-ce que par rapport avec autant d'éléments que vous sautez énumérés là, est-ce que Kounia là, secteur universitaire là, est-ce que y a un moyen pour dire bon, nous décidons de sortir, il faut que nous posions tel pion. Si nous décidons d'aller comment? Bon, pas grand-chose qui empêche l'université à faire. Parce que le rôle nous, c'est réfléchir, c'est analyser, c'est chercher à comprendre, c'est faire recherche. Au contraire, dans la période ça, on prend une institution qui enseigne sciences politiques, sociologie, communication sociale, économie. Toute institution, ça a été en vedette. Il y a une opportunité pour analyser la situation économique pays, si on a l'économie. Il y a une opportunité pour analyser la crise sociale en sociologie. Il y a une opportunité pour analyser le leadership, par exemple. Hein, toute faculté a pris nos bagages puis a fait. Moi quoi en plus de problèmes sociaux yo même mais gagne un manque vision tout. Gagne un manque vision, gagne manque perspective et puis gagne on nous dit on habitude chita juste fait bah une habitude fait rester dans la tradition, gérer salle de classe, gérer faculté, gérer budget et puis voilà société a crasé sous nous. Donc nous capable dire tradition routine. Nous plutôt rester avec mot routine. Université a tout une routine fonctionnement, annoncer nouvelle session, recruter étudiants, faire concours, gérer professeurs, gérer crise et puis nous oublier crise interne et puis crise sociale même il y a pourri sous nous là. Pendant nous n'a parlé de questions université et professeurs, il y a un pile étudiants qui plaignent comme quoi à la fin là ils finit au pas joindre note, il y a des professeurs qui doivent note là qui pas bailler ou t'es composé pour une raison ou pour une autre ou besoin soumettre mémoire pas capable parce que on note qui bloqué et pour qui ça qui la cause que problème ça a répété souvent bon, là, ça c'est ce problème gestion, c'est inefficacité gestion centre universitaire, il y a pas aucune raison pour ça. Yon étudiant qui composé, faut gonder délai
Même j'ai une date pour examen, en fait, il faut une date pour résultat publié. Mm-hmm. Et toute université doit être capable de garantir ça. Deuxièmement, étudiants qui ont une reprise pour faire, toujours un calendrier pour reprise la fête. Et bien, si un calendrier pour reprise la fête, il faut que le professeur ait une date qu'il a pour corriger, pour remettre résultat. C'est un problème de gestion. À la vérité, Edlaine, capable de dire, pendant que je réfléchis sur l'émission, je me pose une question, qui est-ce qui est vrai sous crise n'a vivre là? Mm-hmm. Et bien, il y a une dose d'incompétence dans le pays. Okay. Une grosse dose d'incompétence. Incompétence dans les partout. Incompétence bon, dans tout niveau de la société. Il y a une bonne bague qui a fait et qui n'a pas fait selon règles. Il y a trop de tâtonnements et puis il y a trop de perte du temps parce que manque méthode, manque principe, manque règles, manque rigueur, mais manque contrôle qualité tout. Tout le monde qui a fait un bagage, il faut que le monde soit capable de connaître, capable de superviser, capable d'inspecter ce qu'il a fait et qui est capable de faire un rapport, capable de briller le côté, poser la question. Dans l'institution universitaire, un professeur a fait ça le vle. Il fait ça le vle, pas aucun contrôle. Même genre, il y a des côtés étudiants qui font ça le vle, il y a des côtés professeurs, il fait ça le vle. Là, c'est l'État qui fait la mission ou... Bon, moi, je suis capable de dire tout le système. Non, même. Le pays d'Haïti marche comme ça. Si vous regardez les gens là, qui t'a dû faire contrôle, t'as coupé le haïtien. Est-ce que parlementaire ou Jean Vini a combattu Yodo, il t'a contrôlé tel bagage pouvoir exécutif là, t'as fait mes résultats, mes recommandations, il fait non. Il a pété l'orbeille, il a quitté toute bagage fin passé et il s'est vaclé comme aux âmes politiques, mais il a pas fait prévention. Pour capable mener un pays ou institution marcher bien, faut qu'on capable prévoir que ça va le passer et pour prendre disposition, mettre règles pour empêcher au passé. Lorsque on a dirigé, si on vraiment gagne pouvoir, faut qu'on ait capacité pour faire anticipation. Ça veut dire, bagaille ou pas vleyo, bagaille ou pas vlecrivé yo, ou freiner yo. Au monde qui président de la République, qui directeur de la police, qui directeur, qui responsable ministère de la Justice, rôle sécurité à ses noms principalement, eh bien, ou pas voulez gagner kidnapping, ou pas voulez gagner vol, ou pas voulez gagner pillage, gagner viol. Il faut qu'on contrôle le territoire, il faut qu'on contrôle entrée sortie des âmes dans le pays, il faut que les gens qui gagnent des âmes, ou certains légalement, ils ont des droits, gagnent des âmes, ça qui gagne des âmes derrière de la loi. Il faut qu'on ait des moyens pour être capable de désarmer. Pour mettre au côté au doyer, si on pas capable de faire prévention, laisse ça, tout problème, il y a une petite dans la main, il y a une trois pour. Ça n'a pas vivre là, c'est parce que nous pas fait prévention. Comment expliquer nous craser l'armée avec départ Jean-Claude Duvalier? Et tu as un chef section, tu as une bonne structure, tu as respecté, tu as peur, nous éliminer tout le bagage, nous disons que c'est démocratie, territoire libre. Alors qu'il est, ou qu'il doit marcher en pile kilomètre, ou qu'il doit traverser toute une commune, ou pas même ou pas policier. Policier. Et là, pour tout le monde, si vous en pile fois, vous avez en insécurité parce que. Parce que vous avez bandit a gagné T65, les gagné M49, les gagné AK45, les gagné toute qualité d'âme la guerre, policiers pas gagné. Nous pas gagné même hélicoptère. Par exemple, vous avez toute zone ça, vous avez bandit qui a fait ça, vous voulez. Faut la police ta gagné au moins quelques hélicoptères. L'elle pas qu'elle prend à terre, elle capable de prendre en l'air, elle cible les côtés avec programme informatique, et puis elle prend depuis en l'air. Faut ta gagné drone. Faut t'agir toute bagarre ça, est-ce qu'on va bailler comme ça? Non, policiers ont même casque, ont pas gagné, même gilet par balle, ont pas gagné. Toute interview publique, moi fait, moi dénoncé ça. On pas capable de pays qui a toute insécurité ça. Policiers ont pas gagné casque dans tête li, li pas gagné gilet par balle. C'est lui même qui pour acheter gilet par balle pour $70, li fait plusieurs mois pas touché. Donc qui sécurité pour le gagner comme ça? C'est l'État même qui peut exister, je dis. Mais où ça va comprendre, la pasteur? J'ai l'impression que tellement énuméré, c'est comme quoi tu as dit, ça n'est pas mon pays. Mais nous pas mon pays, là. Nous sommes un pays, nous pas un pays, je dis. Tout le monde fait ça, vous voulez. Bandit, c'est lui-même qui fait la loi. Bon, regardez, si vous avez besoin de belles démonstrations, nous avons déjà manifestation que tu as fait devant le palais national. Regardez où va les gens qui viennent nous sembler là. Bon, bandits, plusieurs centaines de bandits passent devant station, médias, tout le ça. Ils ont montré gros ses amis. La police pas de cap faire rien. Donc, nous pas un pays et responsable ne pas comprendre. Pourquoi la police est puissante par rapport? Mais si vous voulez faire 12 000 policiers pour environ 12 millions d'habitants, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de. Regardez, longtemps nous avons une série de bateaux, nous avons un tank. Je dis, nous n'avons pas gagné comme ça, nous même un petit avion, nous n'avons pas gagné, même un hélicoptère, nous n'avons pas gagné. Qui sortez vous? Bon, même équipement pour quoi, pour protéger les vieux, nous n'avons pas gagné. Sortez vous, vous faites. Ouais. Donc c'est très grave. Responsabilité, ça, nous avons là. Ce n'est pas la police. La police, là. La police, là, elle est là pour, faire, pour gérer une situation normale. Mais nous avons des zones dans le pays d'Haïti, nous avons la guerre, là. Il y
que des zones côté zam cap chanter c'est zam la guerre yo mettez sous ça gagner bras politique derrière insécurité parce que yo dou chaque gang gen parlementaire pa yo derrière ou bien autorité politique yo derrière yo c'est ça qui fait yo libre comme ça. Donc comme on voulait gain des zones qui pas de gang ça gain 2 ans par exemple qu'il y a yo gain gang et yo gain moun qui protéger yo yo gain toute qualité protection politique et ben et c'est ça tout problème yo chita d'abord dans gestion politique là jour où gain une série autorité qui correct qui respecte la loi qui propre qui attend ces populations pour approuver yo parce que yo fait bon bagage pour rester ou bien pour aller et ben yo pas besoin armé gang et yo pas capable tolérer non plus pour gain tout monde armé ça yo sur territoire sans yo pas une force légale mais faut baïté tout moyen pour ça en même temps faut ou même tout ou clair gardons l'autre bagaille capable m'en avoir rapidement parce que l'émission là c'est 30 minutes mais bah yo en pile ou pas tant de président depuis ce matin il y a parlé de faire des forces l'armée d'Haïti président Jovenel Moïse remobiliser soi-disant mobiliser ou jamwe on est dans la ria là qui gagne uniforme dit sous lui comme militaire est-ce que ça cap passer certains côté dans pays là ça coube la guerre alors mais c'est là des besoins militaires yo côté yo ouais donc c'est discours nous parler nous parler nous faire discours mais nous pas résoudre problème et c'est là moi m'a parlé d'incompétence là dirigeant pas capable parler seulement faut résoudre problème c'est pour ça nous avons besoin des actions concrètes nous besoin actions concrètes actions réfléchies actions planifiées qui entrent dans cadre d'un plan global là nous nos situation côté pas gain vision pas gain plan pas aucun système qui a fonctionné et là world leader regardez même si sont on la cour à diriger si c'est vous même qui papa ou ces chefs famille faut que l'on dit une parole ça il est capable d'entendre il est capable de respecter faut que nous connaissions si pas respecter bon bah il cap passé aujourd'hui ou te mettre faire sauver pas aucune garantie rien passé il est capable pour un monde qui volait on cabrit tu mettez en prison mais garder date machin il a plein marché en bas là bandi empêché au vivre yo tuer yo toute la sainte journée yo obligé mettre cob là dans culotte yo dans chaussette yo il pas connait côté pour mettre là encore bandi après le déshabille le prend cob là le tuer devant la police matin m'a attendu tout ça mais est-ce que là à Port-au-Prince tout près par les national c'est ça qui question hein? Par l'état c'est là nouyé le Fernandez te dit là ça après tremblement de terre moi j'étais choqué l'elle dit l'état haïtien n'existe pas j'étais choqué. Mais après quelques jours, moi le président nous a dit li récit parler qu'on y a passé madame ni bal pression, le patron ça pour te dit, mon grand me compte effectivement Fernandez te gain raison, pas te gain l'état. Il te dit ça avant tremblement de terre mais après tremblement de terre moi ça, jodi a nous gain moins l'état encore parce que ça te gain en 2010 et si nous continuer jouer avec du feu, n'a privé nous un point côté finalement c'est pas l'état, c'est nous pas gagner, pays ça capable disparaître. Alors professeur nous a dit c'est comme quoi m'ta dit la situation est grave. Moi pas même mot me qualifier encore. La situation est catastrophique. Pas grand rien qui a marché, rien pas marché. La vie nous bon premier rôle tout gouvernement, toute administration au niveau ça, c'est assurer sécurité vie monde. Je dis en Haïti n'importe monde qui veut tuer ou la tuer l'élever, les gars ça va manchette à couteau. Regardez ça que se passe Jacques Mel là. Je suppose entendez ça, chef parquet Jacques Mel, l'aller dans le lycée, il était convoqué comme parent, il manquait tuer directrice là. Et il dit ça dans les médias, il dit la tuer directrice là quand même, si l'éducation nationale pas retiré là. Mais il dans la rue, il a parlé. Ouais. Et puis, il t'a installé hier, doyen tribunal civil Jacques Mel, ou nèg qui fait menace publique, et avec Zam Guinamel qui s'allie chef sécurité parquet. Mais non pays normal son monde tête pas bien monde ça y est yo t'a pas arrêté le même côté là pour pas attendre vraie nouvelle là c'est arrestation t'a attendre nouvelle là c'est laisser aller gien trop blessé aller mais gien trop impunité en relé le comme ça depuis ou gon bois derrière ban nous gon autorité politique derrière ou gon grand chef derrière ou gien doit tuer monde ou gien doit détruire monde ou gien doit fermer institution j'en veux rien pas passer et c'est peut-être crise qui plus grave là crise autorité crise leadership, crise morale, crise incompétence qui existait dans le pays. Ça. Donc, situation politique là, ou du moins mauvaise gouvernance, il a affecté nous dans toutes dimensions. Ou pas qu'à vivre bien, il y a un pays pas responsable, qui a sa responsabilité, ou bien qui a contrôle situation.
parce que Rebut te dit on baille comme ça, on forme d'attendre, il dit bandi a avant là il fait ça là il fait, il garde dans la rue, il garde en haut, il garde en bas, il pas ouais l'état. Il parle de présence l'État, il dit, m'a fait ça, m'vle. Mais c'est vrai, moi, je ne parle pas là avant là. Si m'a sauté là, on a besoin de tirer sur moi. Depuis qu'on connaît là, qui ça empêche de tirer sur moi? Il connaît, s'il tire moins, rien pas passé après ça. La fèl, gade ça qui passe avec M. Gédéon Jean, ou ancien président, avec mon armée qui côté, tirer sur. Alors, il pas tiré, il a battu, il a saccagé, il a insulté, il a menacé pour tuer pendant la sortie dans les médias 14 mars. Un ancien président, eh ben, est-ce que vous avez été interpellé ancien président? Est-ce que vous avez fait ça? Ay, professeur, nous allons faire un petit peu vraiment pile, j'en ai dit tout à l'heure. Alors là, nous allons faire un petit peu de questions de dialogue là, sûrement, autant de parler de dialogue là en pile. Bon, mais c'est ouais, si je me souviens quand il était, on dit que nous avons un premier dialogue qui était commencé déjà avec les secteurs. Comité État généraux sectoriel qui pratiquement pas porter au résultat. Nous pas qu'a dit pas porter résultat. Il y a pas même temps ni fini. Fini, OK. Il y a seulement campé sur lui au fond l'autre bail. OK. Nous venir avec ancien premier ministre Jean-Yves Seyan qui était arrivé dans pacte de gouvernabilité. Ouais. Le président de la République, il parlait que le jour même, il dit que il pas satisfait de travail là. Nous venir là avec un comité de facilitation. Toujours pour dialogue, et nous arrivons dans la phase côté que là, on a pensé président de la République, ou du moins cet exécutif là, mélangé avec les trois pouvoirs, les pouvoirs de l'État, on a pensé qu'on y a sous et choix un nouveau premier ministre. Si vraiment tu as eu bon dialogue, contenu, agenda, professeur, qui ça que tu as eu là-dedans? Bon, dialogue pour dialogue, pas de dire rien. Et moi, pensé nous faisons plus le dialogue, mais nous n'avons pas besoin de l'autre. Et premier bagage m'a dit jou vle faire dialogue dans le pays d'Haïti faut répondre aux questions là où tu fais état généraux sectoriel là est-ce que tu veux dialoguer si tu veux dialoguer et ben c'est pour dire nous qui démarche tu fais pour décider pour faire l'autre bagage sauf en premier bagage faut chercher résultat le bail là pour décider est-ce qu'on va continuer avec est-ce qu'on va continuer nous pas de résultat premier dialogue là passé un li foiré depuis dans route président désapprouvé li. Après ça m'entendé Gabriel Fortuné qui dit publiquement c'est lui même président désigné pour capable continuer dialogue ça y a pas de médecin à terre et puis ou vinn gè comité de facilitation donc globalement nous capable dit ça c'est une stratégie pour faire temps passer sans problème y a pas résoudre gè dépenses là retour professeur oui gè stratégie pour faire temps passer mais en même temps gè stratégie pour gagoter l'argent l'état tout parce que des fois mobiliser moun gè machine qui pour louer gè monter descendre gè ça l'hôtel etc gè perdiem gè tout bail ça yo gè affaire gaspiller l'argent l'état et gè affaire faire temps passer tout faire mon oublier vrai problème pays c'est comme si yo les sa stratégie la stratégie d'usure ou faire temps passer et pour penser mon qui en face soit qu'a oublier problème là et puis pim ou inventons l'autre bagaille ou distrait population et puis voilà de crise en crise de distraction en distraction mon yo penser yo capable faire un pays marcher comme ça mais si tu as de bon dialogue contenu en tas de qui ça t'a doyé premier bagaille pour nous poser comme question si n'a dialoguer qui ça qui wall moun kap dirije un pays tant que président de la République qui ça qui rôle parlementaire qui ça qui rôle la justice qui ça qui rôle opposition qui fait malgré ba yo écrit dans constitution yo écrit dans loi spéciale personne moun pas fait travail yo li clair qu'on y a nous pas gain un pouvoir exécutif qui fait aucun travail pour pays a. C'est vrai ou gain certains ministères avec certains ministres qui fait effort quelque côté mais globalement nous pas capable dire après 2 ans mandat qui déjà passé dans mandat président Jovenel Moïse là nous pas capable dire que c'est résultat pays est capable manger doit sous tel bagage il bénéficier comme quoi la santé t'a amélioré sécurité t'a amélioré t'as gain plus travail qui créé t'as gain plus monde qui sentit la santé amélioré pas gagner qui amélioré donc nous gain des monde qui a dépensé l'argent l'état qui a ruiné l'état qui a crasé l'état mais qui pas joué rôle pour qui ça il pas joué rôle ça c'est le premier bagage et question ça c'est pas eux même qui pourra répondre tête sur lui non faut répondre société ya. Et ça fait moi dit dialogue là pas capable un dialogue entre président ou bien exécutif avec parlementaire
avec la justice. Non, faut que la société civile là-dedans, faut que force vive dans le pays d'Haïti là-dedans, faut que l'opposition là-dedans, les gens qui vraiment représentent les gens qui en face pouvoir, faut que là-dedans, pour nous garder l'autre danger et pour chaque monde reconnaître qui ça qui faute pas dans ce qui a passé et la société est capable de décider qui ça l'a fait à qui. Mais nous ne sommes pas capables de rester à parler de dialogue juste pour distraire les gens. Et puis entre temps, tout le monde a touché, perdu, diminué, la machine continue à acheter, la gagotte continue à faire, la population même a pourri avec maladie, la grande goût actuelle, la demande de la charité, la petite la fait prostitution, l'école, la qualité a baissé, tout le monde est bloqué. Donc pour moi-même, le contenu, c'est d'abord. Qui ça moun kap dirije nou yo gen comme responsabilité et pour qui ça côté nou yé a c'est là nou yé faut parlementaire yo vinn di nou est-ce que avec toute corps yo côté pays a est-ce que yo capable montrer nou qui ça yo ban nou comme service qui ça nou gen comme société parce que nou gon parlement qui ça nou gen parce que nou gon on chambre député avec sénat gen pays pa gen tout débat ça yo qui ça nous gagne parce que nous gon pouvoir exécutif de tête qui ça nous gagne parce que nous gagne 18 ministères avec une série secrétaire d'état qui ça nous gagne qui marche parce que nous gagne toute l'argent ça dans budget nous cap dépenser dans sécurité certaines personnalités qui ça qui marche parce que nous gon pouvoir judiciaire toute question ça dans le dialogue là c'est là pour nous commencer parce que au fond moun kap dirije n'ap dirije parce que gon population besoin service une population qui ban nou kòb nan tax nan impôt pour nous capable jouir tout ça n'ap jouir yo mais qui ça nous fait pour yo c'est ça première question qui qualité service public nous mêmes citoyens nous recevoir nan même moun sa yo kap dirije et nous pas besoin de un dialogue politicien s'il pral s'il a prêté non parce que li gen doit aller ou bien le rete tout ba rete même gens faut que nous connaît qui gens nous-mêmes comme société n'a mettre pression sur responsable pour nous changer système politique ça qui facilite deux trois monde qui viennent dans pouvoir riche depuis à terre et puis yo quitter population dans saleté donc pour moi c'est vraie question c'est population besoin population la vie population service population besoin qui donc c'est ça qui doit dans contenu dans agenda mais c'est pour ça yo là tout qui fait conflit c'est pour ça yo là pour nous servir une population là pour nous servir nous dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, dans l'entretien environnement, nous dans faire respecter le pays, dans créer travail, est-ce qu'on va y qu'on s'est fait là? Okay. Non. Un petit professeur, nous avons deux questions pour nous finir. Okay. Alors là, pour le dialogue là commencer, c'est vrai dans le contenu, mais ça que tu as dû gagner. Comment nous sommes capables de commencer? Pour commencer un dialogue, premier bail pour nous faire, faut que nous certains identifier vrais acteurs. Qui est ce vrai acteur qui bloque la société à la aujourd'hui? Donc, il y a des gens capables de dire que c'est le pouvoir exécutif, là, c'est le président, c'est ça qu'il a dit. C'est le président, il a dit tous ces parlements, il a dit c'est l'opposition. Mais les gens qui là, ils ont des problèmes entre eux, ils doivent dialoguer, mais en même temps, ils sont pas capables de dialoguer pour compte. Parce que nous sommes contents de dialoguer comme institution. La loi dit qui j'en peux fonctionner. La loi détermine qui relation de gain parlement avec la présidence, avec la justice. Nous avons une relation impossible. Donc, il y a une incapacité pour jouer un rôle. Laissez ça besoin d'un autre monde qui est capable de servir comme médiateur et nous capable de prendre. Société civile organisée, nous capable prendre l'autre personnalité respectée dans le pays d'Haïti qui connaît question ça question leadership question gestion question politique pour faciliter au règlement mais pendant tout voir population présente sous table pour dire mais qui qualité règlement nous voulons nous pas besoin pour deux branches pouvoir politique qui mettent tête ensemble pour faire nous souffrir nous besoin qu'on ait qui j'en a fait pour yo suspendre faire des ordres et puis pour service nous mettre au faire si yo pas capable faire pour nous casser yo. Ouais. On nous dit professeur 29 mars là nous parle pratiquement 32 ans. De anniversaire constitution moi. Je dis si peut-être que toutes amis cap garder émission ta première pose question ça. Je dis c'est qui sous qui constitution nous y est. Et yo li violé l'aile de violer yo respecte l'air ou de respecter l'... comment? Eh bien, nous capable dire en Haïti, même si il y a une constitution, mais en logique, constitution c'est papier. Bayonnette c'est fait. Responsable l'État, pas respecter la loi.
Ou qu'on s'est fait ça parce que vous connaissez depuis ou à la tête l'État, ou bien tout pays en main, ou bien budget en main, ou bien institution en main, et même l'homme à la tête l'État encore, ou tellement gain l'argent, ou tellement gain pouvoir, ou capable de continuer battre le monde, ou capable de continuer à faire corruption, faire violence. Donc, c'est impunité à ce moment-là. Regardez, un pays tant que Grande-Bretagne, il n'y a pas aucune constitution écrite. Non, il n'y a pas aucune constitution écrite. Et pourtant, règles respectées. Mm-hmm. Qui ça fait ça? Parce que gon culture, respect, règles avec principe. Ici, ça pas suffit pour nous faire loi. Nous font bonne loi, pas jamais appliquer. Parce que monde qui fait loi, le monde qui t'a dû faire respecter, le monde qui sous pouvoir, c'est eux-mêmes encore qui violent en premier. Ces principes moraux pour nous rétablir, pour nous faire haïtiens commencer à respecter règles, respecter principes, respecter la loi. Mais tout autant nous pas faire ça, tout autant nous pas rééduquer moun yo, en même temps nous pas bay on nous pas tracer un exemple sur moun k'ap dirige qui fait mauvais bagaille pour al finir en prison, l'autre k'ap venir faire même genre. C'est dans sens ça combat Petro-Caribe a dû servir comme un exemple pour nous montrer quel que soit niveau tu arrives dans la société a yo capable mettre en prison pour aller rendre capable mettre en bacone et c'est tout autant pas une capacité pour faire ça comme société nous pas changer comment ça passer pendant ma parole voilà à Cayer par exemple moun tellement voler moto comment ça qui fait grand journée les yo kembe ou voler moto ou bien yo connent encore moun qui voler moto qui tirer sur moun pour moto yo y aller yo prend population pile motocycliste yo yo tué à coup de bâton à n'importe qui bagaille après ça yo marre yo va son code dans cou yo marre derrière moto yo traîner cadavre pendant dans toute journée dans la rue à Kaye gain la police gain la justice gain député gain sénateur pour département est-ce que gain la loi là ou est-ce pas autorité ou seulement qui fait ça yo vle yo quitter population en fait ça vle tout pour que ça fait population en fait parce que li connaît pas gain justice. Ouais. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ça moi-même, moi souhaitais pour le pays d'Haïti. M'espérer chaque citoyen haïtien capable de calmer pour commencer à dire qui ça moi-même, moi, qui a fait pour forcer mon cap diriger, diriger vrai. Si vous pas capable de diriger, qui ça moi doit faire pour une procédure pour nous mettre sous côté. Et prochain monde n'a choisi sur qui critère nous va choisir. Est-ce que nous va choisir monde parce que nous ban nous 1000 goud, parce que nous ban nous tafia ou bien nous pas le prendre 100 nous fois ça l'élection possible là pour nous décider monde n'a choisi c'est monde qui capable satisfaire revendication qui capable diriger un pays qui capable faire respecter territoire nous respecter bien public en même temps qui capable mettre sécurité capable créer travail monde qui gagne imagination avec compétence pour aider nous changer vie nous comme peuple. Merci, pasteur Lemaître Zéphir, parce que tu es ensemble avec nous dans l'interview, je dis. Merci, madame Vénal. C'est moi pour vous merci. C'est Vernal. Mm-hmm. C'est moi pour vous merci pour l'invitation. M'espérer n'a pas allé en l'autre l'air. Merci beaucoup et merci parce que toujours fidèle à nous. Avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation. Nous.